vous dites, je n'ai rien à dire, ou j'ai pas grand-chose à raconter, ou je n'ai rien à déclarer. Vous mettez de côté une immense partie du divin. C'est comme si vous aviez droit à tout un gâteau et que vous ne prenez que la petite part qui a été coupée. Pourquoi? Parce que il n'y a que sur ce petit quartier qu'il y a une cerise dessus. Et comme il n'y a pas de cerise sur le reste, vous ne vous servez que du petit quartier. Parce que pour vous, le gâteau sans cerise, ce n'est pas un gâteau. Et pourtant, si vous saviez tout ce qu'il y a comme de cerise à l'intérieur de ce gâteau, vous seriez étonné du nombre de cerises que vous ratez. Et donc, tu vois, dans ce que tu viens de me raconter, il y en a tellement des cerises. Dans ce que vous venez de me dire, il y a beaucoup de cerises. Ne minimisez pas les choses. Gratifiez chaque petit délice, chaque petit plaisir, chaque petite reconnaissance, chaque petit obstacle, aussi petit qu'il est, que vous surmontez, que vous dépassez. Gratifiez chaque journée, gratifiez chaque nuit, gratifiez et divinisez chaque moment. Essayez de prendre d'autres angles de vue. Le divin, il est partout. Alors pourquoi se contenter du petit quartier alors que vous avez droit à tout le gâteau? Parfois, c'est juste le fait de se prendre le temps de revoir les choses sur plusieurs niveaux. Ne vous attardez pas juste sur le niveau sur lequel vous êtes en attente de quelque chose. Parce que si vous êtes réellement sans attente, tout aura la même importance. C'est juste l'attente qui dit bah, « j'ai rien à dire en fait ». Ah bon, t'as plus vécu, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a tué là pendant... Donc hier je t'ai quitté, il y a quelqu'un qui est venu, il t'a coupé la tête, t'étais mort, a... on t'a débranché même dans les astres et dans le cosmos. Et puis il s'est passé quelque chose le matin, on t'a remis ensemble et puis tchou, et hop, j'étais de nouveau là. Dans ce cas, je pourrais comprendre ce que tu me dis, j'ai rien à déclarer. On m'a effacé la mémoire depuis que tu es parti et dès que tu es revenu, on m'a remis la mémoire. Mais il y a un blanc entre les deux. Voilà. Même si tu me raconterais ça, ce serait quand même très intéressant comme histoire. Quelque chose à déclarer de très peu commun. Mais voilà. Et donc, pour moi, déjà, rien que le fait que tu me dises « Voilà, j'étais en paix, juste en paix. » Remémore-toi tous les moments que tu as passés dans ta vie où tu étais en dehors de la paix. Remémore-toi ce que c'est de ne pas être dans la paix. Un bref instant pour regoûter à cette divinité énorme et infinie d'être dans la paix. Je t'assure qu'il y a tant de cœurs qui battent autour de nous et qui chaque seconde, chaque centième de seconde ne battent que pour atteindre la paix. Et qui pleure de l'intérieur pour cette paix. Donc c'est dommage de réduire cette paix à rien.